Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi. Ça y est, c'est vendredi, le 20 novembre 2020, midi 24 heures du Québec. Le 20 novembre, l'élection américaine était le 3, donc 17 jours après l'élection américaine. Je vous en avais glissé un mot, mais on a une confirmation du pourquoi. De pourquoi le président Donald Trump agit de la sorte en essayant de discréditer le système politique, la structure électorale, en refusant de reconnaître sa défaite. Enfin, le chat est sorti du sac, comme dirait l'autre. Tous les républicains savent très bien que Donald Trump a perdu l'élection, comme on dit en anglais, « fair and square », comme Donald Trump l'avait gagné. Pas « fair and square », par contre, en 2016, parce qu'il avait été aidé par les Russes et Vladimir Poutine et Wikileaks, mais il avait gagné quand même. Et Barack Obama, à contre-cœur, avait même appelé le soir même Donald Trump pour le féliciter et l'inviter à la Maison-Blanche. Mais pendant 4 ans, les démocrates lui ont remis ça sur la gueule avec toutes sortes d'enquêtes. Il y a eu la fameuse enquête de Mueller dans les médias progressistes, démocrates, des grands réseaux. On n'a pas arrêté pendant 4 ans de délégitimiser la présidence de Donald Trump, de lui remettre ça sur la gueule, qui était un président illégitime. Et finalement, le chat est sorti du sac. Et Donald Trump sait très bien qu'il a perdu et qu'il n'y a rien qui peut changer le résultat de l'élection. Il n'y a eu aucune fraude nationale. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. C'était juste des candidats, du n'importe quoi. D'ailleurs, après 17 jours, on n'a amené aucune preuve de quoi que ce soit dans le camp de Donald Trump et de son équipe juridique, qui d'ailleurs maintenant se résume à Rudy Giuliani. On va aller voir un extrait tout à l'heure, vous allez être mort de rire. Victoria Thompson et son mari Joe DiGenova, puis Sidney Powell, une autre conspirationniste, qui allègue qu'il y a eu une conspiration même chez les républicains. Wow! C'est du n'importe quoi. Est-ce qu'on veut, le chat est sorti du sac, parce qu'on a, pendant 4 ans, du côté des démocrates et de la presse progressiste, délégitimisé la présidence de Donald Trump, lui rappeler qu'il était un président illégitime, qui avait perdu le vote populaire et qui avait été élu seulement grâce à la participation de Vladimir Poutine et Wikileaks. Pendant 4 ans, il y a eu ce nuage-là au-dessus de la tête, puis il l'a bien alimenté aussi. Et c'est une vengeance que Donald Trump a en ce moment contre les démocrates, contre Joe Biden. Et ce qu'il veut laisser aussi comme impression chez ses supporters et chez les Américains, c'est que Joe Biden a remporté une élection, oui, mais que c'est un président aussi illégitime parce qu'il y a eu des fraudes et des fraudes. Mais jusqu'à présent, on n'a déposé aucune preuve. Il y a 39 ou 40 causes qui ont été rejetées devant les tribunaux fédéraux américains. Il y en a 2 qui ont été retenues, mais qui n'ont rien à voir avec la fraude ou quoi que ce soit qui touche la fraude électorale. C'était des détails vraiment techniques dont on n'a même pas, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Ça, c'était les 2 victoires de l'équipe de Trump il y a quelques jours, il y a une semaine ou 2 même de ça. Mais pour le reste, toutes les revendications de Donald Trump et de son équipe et des républicains ont été toutes rejetées par les cours parce qu'il n'y a aucune preuve. S'il y avait eu une fraude, vraiment, penses-tu que s'il y avait eu une fraude, utilise ton intelligence, ton jugement, écoute pas les politiciens. Et c'est ça le problème de la plupart des gens, dont Alexis Cossette-Trudel, qui sévit maintenant sur Oasis, je pense, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou Odyssée, c'est que lui, il écoute les politiciens pour se faire une opinion, et les sites de crackpots et de conspirationnistes. Les politiciens sont la source la moins fiable, qu'ils soient des 2 côtés de la Chambre, ou que ce soit en France ou au Québec ou ailleurs, les politiciens sont là pour te vendre la salade, sont là pour te manipuler. Depuis quand les politiciens sont une source d'informations fiables? Voyons, t'as ce monde-là qui est tellement naïf, qui comprend absolument rien à la politique, c'est pathétique. Et tous ceux qui sont convaincus qu'il y a eu une fraude, c'est parce qu'ils écoutent Donald Trump. Donald Trump, c'est l'être le moins fiable, probablement, de l'histoire de l'humanité.
Probablement que Judas était plus fiable que Donald Trump. Faut que tu fasses tes recherches. Faut que tu ailles voir ce qui se passe. Faut que tu écoutes le vrai monde, le bon monde. Puis il faut que tu, qu'en faisant tes recherches, que tu te rendes compte qu'il n'y a pas une preuve qui a été déposée encore. Aucune preuve. Giuliani était même devant le juge. Le juge lui a dit, est-ce que vous êtes en train de me déposer une allégation de fraude? Il dit non, non, non. Parce qu'ils n'ont pas de preuves. C'est juste du qu'en dira-t-on, du n'importe quoi, du bla, bla, bla. Pour laisser l'impression qu'il y a eu une fraude massive et que Joe Biden est un président illégitime. Et Donald Trump prend sa revanche. Et il va garder ça le plus longtemps où il sera capable de l'allonger, cette espèce de numéro de cirque devant les tribunaux. Mais les limites achèvent. La Géorgie a fini son recomptage manuel. Ça a changé de 2000 voix le vote parce qu'on avait trouvé un paquet de 6000 votes qui n'avaient pas été comptés par erreur. Puis là-dedans, il y en a 2000 qui sont allés à Donald Trump. Donc, ça a changé le vote de 2000. Donc, Joe Biden remporte la Géorgie par 12 000 au lieu de 14 000 voix. Et les États commencent à certifier leur vote. On est en train de faire un autre comptage parce que Donald Trump a payé 3 millions de dollars parce que c'était la somme qu'il fallait, parce qu'il n'y avait pas d'obligation légale de faire un recomptage dans le Wisconsin. Là, ils sont en train d'en faire un parce qu'il a payé 3 millions de dollars. Et ça ne changera pas non plus. Mais lui, il veut juste continuer son petit manège de cirque pour laisser vraiment l'impression qu'on lui a volé la présidence, alors qu'il y a aucune... Ils n'ont aucune preuve. Ils sont incapables d'amener aucun témoignage, aucune preuve devant les tribunaux. C'est ça que tu dois regarder. À la télé, à la radio, dans des conférences de presse, tu peux raconter n'importe quoi, comme Giuliani le fait, comme Donald Trump le fait, comme Kelly McEnany, la secrétaire de presse, le fait, comme tous les autres partisans des deux partis font. À tous les jours, à la télé, il raconte n'importe quoi parce que tu n'as pas de conséquences. Mais quand tu es devant un juge et que tu es sous serment, là, tu ne peux plus raconter n'importe quoi. Et c'est pour ça que ça va nulle part. Penses-tu vraiment que s'il y avait eu une fraude massive, penses-tu vraiment que Donald Trump se serait laissé faire comme ça? Penses-tu vraiment qu'il n'aurait pas exposé les preuves? Il y a eu toutes sortes de rumeurs et de conspirations qui ont... qui ont voyagé sur le web, hein, qui se sont partagés sur le web, dont une qui avait été reprise par Alexis Cossette-Trudel, que Donald Trump avait piégé les démocrates à l'époque, puis qu'il avait envoyé toutes sortes de bulletins de vote par correspondance avec des nanoparticules. C'est tellement du n'importe quoi. D'abord, c'est les États qui sont en charge des élections. Premièrement, tous les bulletins de vote sont tous officialisés avec un code barre, pas des nanoparticules, un code barre comme tu as sur tes produits. Puis ton adresse, ton nom, tout est là, puis ça doit coïncider avec la personne qui reçoit le bulletin de vote. Penses-tu que s'il avait vraiment piégé les démocrates, tu ne le serais pas aujourd'hui? Penses-tu vraiment que si Donald Trump était là avec Vladimir Poutine pour lutter contre la cabale de cannibales mangeurs d'enfants, tu ne l'aurais pas su avant? Il n'y aurait pas eu une déclaration officielle « Je suis le sauveur, je suis là pour lutter et combattre la cabale de cannibales, de mangeurs d'enfants. » Vois-tu avec qui on a affaire? Et c'est ça qui est nocif et c'est ça qui est dangereux, c'est de propager toujours des mensonges et des mensonges. Les plateformes, les réseaux sociaux, Facebook, c'est la pire place. La plupart des gens vont chercher leur information sur Facebook. C'est le pire endroit, c'est juste de la cochonnerie. Il n'y a jamais rien qui tient la ligne, qui tient la route, c'est toutes des histoires racontées, des fake news, puis les gens sont convaincus de ça. Fais tes recherches toi-même. Puis surtout, prends jamais la parole des politiciens. Depuis quand? Vous êtes bien naïfs. Depuis quand tu vas écouter David Nunes te raconter que ça y est, les arrestations s'en viennent, on les a toutes piégées? Puis, parce que le gars, il fait un jeu politique, puis t'as Alexis Cossette-Trudel qui prenait ça pour du cash, lui. Depuis quand t'écoutes les politiciens? Depuis quand tu prends la parole des politiciens? Faut que tu remettes ça en question toujours, 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 toujours et toujours. C'est vraiment élémentaire, mon cher Watson. Donc, s'il y avait des preuves, penses-tu qu'ils les auraient pas été déjà, même sans aller devant le juge, les auraient pas étalés à tout le monde? Voici les preuves qu'on a, puis là, on s'en va à la cour. Là, ça fait
17 jours qu'ils sont à raconter cette salade-là. Puis comme le disent la plupart des médias, même Fox News, ben là, il est temps que tu amènes des preuves, là, parce que ça fait 17 jours que tu te fais aller le mange-patate, comme on dit par chez nous. Puis t'as rien amené devant les tribunaux. Zip, zéro. Penses-tu que tu vas changer le résultat d'une élection en passant à Sean Hannity, Laura Ingraham et à Tucker Carlson en racontant n'importe quoi? La seule façon que tu peux avoir de renverser une élection, c'est d'aller devant des juges avec des preuves, mais vraiment solides. Mais là, t'en as pas, c'est juste des candidatons. Puis même les candidatons qu'on a, quand c'est le temps de les amener devant le juge, ils se retirent tous, puis ils n'ont pas le courage d'aller prêter serment pour raconter leur histoire, comprends-tu? Parce qu'à un moment donné, tu peux avoir l'air d'un clown, toi aussi, en racontant, puis en partageant, puis en répétant toutes les âneries que t'entends. Mais il y a des limites à avoir. Il me semble que je devrais... Moi, si j'étais dans ces souliers-là, je serais gêné. Moi, ça fait des années que je vous dis, oubliez ça, il n'y en aurait pas d'arrestation parce que les employés du gouvernement, ils ont fait leur travail. Mais non, vous étiez à écouter du n'importe quoi parce que c'est ça qui plaît à cette clientèle-là qui vit dans un univers parallèle, dans une bulle. Mais tu ne peux pas avoir une partie de la population qui vit dans une bulle, ça peut être très dangereux, ça, à la longue. Il faut que tu ailles aux sources de l'information. Puis les sources de l'information, c'est les faits. Tu ne peux pas inventer des faits. Combien de fois je l'ai dit, ça? Tu peux avoir des idées politiques, des idéologies politiques qui sont complètement différentes. Puis tu peux les débattre. Mais tu ne peux pas inventer des faits parce que ça fait ton affaire. Les faits sont les faits. Dans ce cas-ci, Joe Biden a gagné l'élection par 6 millions de votes populaires, puis il a remporté le collège électoral avec 306 contre 232 ou à peu près, là, si ma mémoire est fidèle. Puis ça, c'est les faits, tu ne peux pas les changer. Puis il n'y a eu aucune fraude. Penses-tu que les républicains n'ont pas surveillé tous les bureaux de vote? C'est du n'importe quoi. Puis d'ailleurs, les républicains ont très bien performé, autant à la Chambre qu'au Sénat. Donc, s'il y a une fraude, il faut qu'on remette tout en question. Même les victoires républicaines. Donc, c'est du n'importe quoi. Et ça, c'est la vengeance de Donald Trump. C'est ça, dans le fond, la vraie affaire. Puis combien de temps il va étirer ça? Bien, le plus longtemps possible, parce que lui, il veut laisser cette impression-là. Hier, on avait Rudy Giuliani qui donnait la fameuse conférence de presse où il n'y a encore amené aucune preuve. C'était juste du blabla. Puis c'est un vieux de 76 ans qui n'a pas plaidé depuis 1992. Puis là, il était dans la conférence de pseudo-conférence de presse au bureau, en plus du Parti républicain. Puis il était tellement en train de transpirer parce qu'il avait chaud, puis il savait pas, parce qu'il racontait n'importe quoi, il était pas à l'aise non plus. Vous allez voir toute la teinture de ses cheveux qui coule le long de son visage. Totally outrageous situation. I don't think most Americans know that our ballots get calculated, many of them outside the United States, and are completely open to hacking, completely open to. Il est en train de tout perdre sa teinture de cheveux. It's being done by a company that specializes in voter fraud. Donc, tout ce qu'il raconte là, c'est absolument mensonger. L'histoire des machines, puis que les votes sont comptés à l'extérieur du pays. Ils n'ont aucune preuve de ça. Le pauvre Rudy est tout plein de teinture. Et là, tu as la fameuse Victoria... Ça, c'est Sidney Powell. La femme la moins crédible, probablement, de l'histoire de l'humanité après Donald Trump. Le pauvre Rudy, il a eu chaud. L'influence massive du communisme. Et puis là, il va raconter n'importe quoi. T'as le pauvre Rudy. Lui, il n'est plus capable. Il est tellement chaud. Chers amis, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Et je vous laisse avec le Wall Street Journal qui nous dit que Trump élargit ses efforts pour renverser le résultat des élections. C'était publié ce matin. Alors que les principaux États se préparent à certifier le résultat, le président fait pression sur les républicains pour qu'ils soutiennent ses allégations de fraude et son refus de concéder. Le président Trump a élargi ses efforts pour renverser le résultat des élections et a menacé les républicains qui contestent son refus de concéder, alors que les délais imminents pour les États-clés pour certifier leurs résultats sont sur le point de réduire la voix à ces contestations judiciaires. La campagne post-électorale de Trump pour inverser sa défaite face au président Biden
élu sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis. C'est sans précédent là, ce qu'il est en train de faire, Trump. Montre de plus en plus des signes de tension chez certains législateurs et gouverneurs républicains, tandis que de nombreux conseillers du président se disent prêts pour la campagne, qui étaient avec lui dans la campagne électorale, se disent prêts à tourner la page, parce qu'ils savent que c'est du n'importe quoi. Depuis plus de deux semaines, d'éminents républicains ont soutenu le droit du président de contester les résultats, mais certains expriment maintenant leur frustration face à un effort qui, selon eux, n'a aucune chance de succès face au limogeage par M. Trump d'un responsable de la cybersécurité, le fameux Krebs. Donc, on nous parle de ça, puis on nous dit qu'il va essayer d'allonger ça, mais il n'y a absolument aucune preuve qui a été déposée 17 jours après. C'est ça, je vous laisserai l'article, vous aurez le lire vous-même. 17 jours, aucune preuve que du commérage, des rumeurs, parce que, dans le fond, là, il s'est dit, pendant 4 ans, ils m'ont fait tuer. Ben là, j'ai Rudy qui est en train de suer, là, mais il dit, moi, les faire suer le plus longtemps possible, puis il veut laisser l'impression dans la tête des Américains que cette élection-là était frauduleuse, alors que c'est complètement aberrant. Si c'est frauduleux, amène des preuves, il n'y en a aucune. Parce que le système américain, je peux te dire, penses-tu que les républicains, qui sont la moitié de la swamp, la moitié du marais, n'auraient pas surveillé puis auraient laissé faire ça? Franchement, c'est tellement du n'importe quoi. Donc, le chat est sorti du sac. C'est la vengeance de Trump contre ce qu'on pourrait appeler, si ça vous plaît, l'establishment, hein, qui ont délégitimisé sa présidence, avec raison, parce que s'il n'y avait pas eu l'aide de Poutine et de Wikileaks, jamais Donald Trump aurait été élu, jamais, au grand, jamais. Restez là, restez avec moi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Moi, je n'ai aucune partisanerie, je suis d'aucun côté. D'abord, tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'étais le premier à prédire la victoire de Trump en 2015, puis que je l'ai supporté pendant presque les deux premières années de sa présidence. Donc, moi, je ne suis pas un anti-Trump parce que ça me plaît d'être un anti-Trump. Je suis un anti-Trump parce que c'est une fraude monumentale, ce gars-là. C'est tout. Un point, c'est tout. Puis moi, je suis là pour vous amener des faits. Parce que c'est important dans ce monde de crise, dans ce monde en crise de la vérité, où on est juste à s'alimenter de fake news, de sites complotistes, il faut qu'on s'en remette aux faits. Il faut qu'on revienne aux faits si on veut garder notre liberté, préserver notre mode de vie. Sinon, on va tous devenir des républiques de bananes, genre Kremlin. Puis c'est vraiment pas là-dedans que tu as envie de vivre. Je vous reviens.